السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير، كل شيء مزيان وعلى خير. اليوم غادي نهضروا على واحد لاكسيون سناب، اللي راه جو بونس كو كاين دابا واحد الثلاثي كيجري، اللي هو سناب سون اسيد و سميتها و جيت. اليوم نهضروا على واحد فيهم و نسبيرون كون دون بلوس دو زعما واحد شويه لا لوميير على شنو واقع وشنو هذا. لي زانفورماسيون ديسبونيبل في المارشي جو ديغي ما كاينش شي انفورماسيون بالنسبه ليا شخصيا كي جوستيفي هاد الجري هذا كامل، سوف سي يا كيلكو شوز دو كاشي انكور كون سي با، ياك سوا لي ريزولتا با اوسي كاتاستروفيك كون بونسي، سوا دو نوفو كونترا، سوا شي حاجه مخبيه في كيلكو باغ لي ما عرفناش. تكنيكمون بارلون ما عنديش انا شي جوستيفيكاتيف لهاد الجزره اللي بدا هاد الشهرين هادو، ما كاينش شي حاجه اخرى. دونك سا بو اتر اون بول كريي باغ لي انفستيسور الكبار باش بور بيجي الماكسيموم دو بيرسون سور لي نيفو سوبيريور اي جينيري ان بينيفيس رابيد، فهذا سي بوسيبل كوم سا بو كيلكو شوز دو سيريو. دونك سي 50-50. علاش كنقول هكذا؟ باسكو لي تروا اكسيون سون اسيد جيت et Snap, mais quand je suis une tendance aussi, je me connais à Kayin, quand on me dit que tu as un peu de Snap, pas de range, même pas un range, c'est un truc baissier pour moi, c'est un truc baissier, même si elle le plus valide, on a un peu de Nada, grosso modo, je suis un peu de Snap, je suis un peu de range, bon, ça prend du temps, ça a pris du temps, ça construit beaucoup de temps pour certaines choses. Donc je ne peux nous rien des transactions, c'est des actions baissières de fonds. Mais aujourd'hui qu'il j'ai dit l'homme attend presque les mêmes signaux clairs, donc il y a une corrélation quelque part qu'on va pas encore trouver, les mesels matzgalt sont les mesels malravach, mais de toute façon le cas du maf snap et on verra pour les autres actions. Alors snap depuis Tkaremen, depuis l'horizontale, l'action, je vois le prix où le mouvement de l'écran, je suis autour de 400 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
les deux prochaines zones, même la zone d'après. Mais si tu m'énerves mieux, pour moi, tu as beaucoup plus de sécurité. On n'a qu'un goût comme quoi la tendance baissière en mécanique, le range possible, mais la tendance baissière en patch. C'est ça. Il a qu'un trait en range à ce que tu as atteint comme objectif. Il a qu'un trait un marché sans tendance, tu as atteint l'objectif, c'est un bon objectif. Ou que je pense avec la vitesse que je regardais d'abord, c'est possible, c'est très possible d'ici, même avant les résultats, même avant l'affichage des résultats peut-être. Ou je pense que c'est l'objectif. Il a qu'un. Si je me projette un échimora ou un lourir koilba, Faradin Haoulut au moment du résultat, je trouve négatif, je n'ai pas. Et à ce moment-là, Adin Konouf a un range. Ça nous arrange pour le moment de le savoir, on n'a aucun maximum, il y a 550, il y a 1 550 000 ou 560 000, alors qu'il y a sachant. Pardon, voilà. Pardon, a dit monsieur. Donc ça, c'est une zone carrément. Donc c'était une vraie zone de entre 540 jusqu'à 550 comme résistance, pardon. Ouais, la zone est dit. Il y a tracé là. Je me dis là, une tracé bonne, je vois le graphe qui fait je dire. Et bien, 540 ou 550. Alors, 540 Rafia, le price 2, c'est 550. Et justement, elle représente un peu avec la hausse liquide internelle, les refaites. Bon. Une excellente zone. Une excellente zone. Et ni, peut-être qu'on est sur la course, mais je ne suis pas ou rire, le mouvement, là, je voudrais le range d'Yerushal qui soit. On est sur du 8%. Si elle nous le fait, char ou la charance, mais je dirais, quitte à Nahara, des fois, elle accélère très rapidement. Et on peut avoir, par exemple, un retour à l'heure de la comme ça, je m'en ce qui me. Il est beaucoup plus probable. Petit retour sur Rabamir comme ça, je m'en pour ensuite prendre le mouvement. Le scénario, il y a maintenant le graphe, les résistances, les lignes de tendance et tout, sans utiliser aucun indicateur. Je confirme plus ou moins la santé de la harakat saoudienne ou les volumes. Le volume, il est 1, je 7 marat, le volume moyen liquide d'air depuis ça fait mais le début du chart nash. Donc, il y a vraiment un très très grand volume du molitaire snap. Ou hada, mais il est confirmé avec le harakat saoudien. Donc, il y a un signal positif. Les moyens mobiles sont bien orientés. Les plus courts sont les plus longs sont les bien. Mais qu'il y a la croisement sont les walou, tant qu'il y a le carbone de volume contre le haut, c'est parfait. C'est très parfait. La moyenne mobile qui est la plus proche comme résistance et plutôt comme support, parce que la Saoudine, la moyenne, il y a la 20. La 20, elle a bien travaillé. Quand je vois les indicateurs, le RSI il est très positif, le MACD aussi il est positif, donc il n'y a que des signaux positifs. En fait, sur le daily, positif complètement. Donc, elle est acheteuse. Je l'ai acheteur. Justement, l'affaire dit qu'on a rejoint à 480, ça s'est fait au cours de la journée. Alors, si on a rejoint à 480, on a rejoint à 540. Donc ça, on peut appeler la dalle de la chemin, on a fait le mouvement là, et qu'on est en train de construire le mouvement comme ça qui continue vers la hausse, vers 540, là. Et pourquoi pas si on casse à la dalle, les niveaux haqiqiyin, à mon avis, c'est ça la vraie résistance. La résistance dure, c'était la résistance intermédiaire de test. D'abord, testé, avec volume, 4 à 200,
plus ou moins, je la vois comme une, comme un trade très, bah, pas très sûr, mais un dingue, un trade assez certes, assez le risque est je clôture avant plutôt de clôture avant 4000 peut-être si j'achète le 500 maintenant un retour le même retour dans le 500 et je pars je vous dis ça j'ai déjà des ordres sur place qui sont émis en attente d'exécution mais un mettre exécuteur je m'a maintenant je ne sois pas dit Snap donc c'est ça ce que je vois je prévois plutôt pour Snap techniquement parlant je vois qu'elle est très correcte sur le nouveau journalier. Aussi le niveau hebdomadaire, le graphique hebdomadaire, la même chose aussi. Les indicateurs sont positifs. Je vois pas de smita, de divergence sur les indicateurs. MACD mzien, RSI mzien, les moyens mobiles mzienin. Il y a presque, on s'approche que là. Que la 20 dépasse la 50, et ça va être encore un renforcement. Et à mon avis, Bechmantaolo, c'est une bonne action aujourd'hui. Il y a encore une marge pour ceux qui attendent. Je ne sais pas, je pense qu'on est en train de construire le mouvement avant les résultats. Le grand range de cette action. Possiblement ça, comme possible, il a le bien sûr, le fort. Ça veut dire que non, ça veut dire qu'on continue comme ça vers la hausse. Mais d'ici là, alors on peut faire de bons bénéfices. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, si vous êtes abonné à la chaîne, il est abonné. Trouvez-moi des commentaires. Il a quelque chose à faire. Posez vos questions, bien sûr. Il y en a. Merci d'avoir.